le plaisir de présenter Manon, Manon Fanfan, qui écrit autant pour la jeunesse que pour les ados et que pour les adultes, avec toujours, je trouve, autant de luminosité, de vitalité. Je trouve qu'elle dit des choses très fortes dans ses livres jeunesse, comme ça, l'air de rien. Elle aborde des sujets graves avec une espèce de fil souvent souriant, et je trouve que c'est très fort. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être là, et puis merci voilà, pour cette interview. Moi j'ai choisi, c'était très dur de choisir un extrait, mais j'ai pris un petit extrait des plieurs du... plieurs deux. Je sais jamais si c'est du ou deux. Et c'est juste un petit extrait, un petit peu pour mettre en appétit. Je veux bien. Le truc le plus bizarroïde de tout l'univers. 13, 14. En approchant, je comprends que le meuble biscornu est une grande horloge. Elle ressemble à celle qui se dresse dans l'entrée de la maison, haute et toute en bois, peinte d'un vernis couleur cerise. Cependant, le cadran de celle-ci est dissimulé derrière une protection et, au lieu d'une porte vitrée qui laisse voir le lourd balancier métallique dans la partie basse, elle possède une porte opaque. Je l'ouvre. Pas de balancier. Ce doit être pour ça qu'elle est au grenier. Elle est cassée. En tout cas, ce mécanisme absent libère assez de place pour que je m'y cache. Il y a même un petit coussin à l'intérieur pour s'asseoir sur le fond. 18. J'entre dans l'horloge, me cale sur le coussin et tire le bâton derrière moi. Une odeur agréable de noisettes et de pain m'enveloppe. Va. Ah, le problème avec Anouk, c'est qu'elle sait toujours où je me trouve. Toujours. Au point que quand mes parents s'inquiètent de mon retard, ils ont pris l'habitude de l'interroger et elle répond sans se tromper. Ne me demandez pas comment elle fait, je n'en sais rien. C'est comme si elle était reliée à moi par un fil invisible. J'entends bientôt ses petits pas près de ma cachette. Robin, dit-elle en me découvrant. Je lui souris. Sors de l'horloge et nous repartons ensemble chercher Pauline. Comme Anouk peine à la dénicher, je pose un doigt sur ma bouche et dessine l'endroit où j'ai vu Pauline disparaître. Trouvé. Pauline se redresse. J'ai gagné, dit-elle en rejoignant le poteau central. À moi de compter. Un, deux. J'aide Anouk à se cacher et me faufile derrière un matelas poussiéreux appuyé au mur. Avec Anouk, je n'avais aucune chance de gagner. Avec Pauline, c'est une autre affaire. Va, s'écrie-t-elle. Je l'entends fureter au loin. Peu à peu, elle se rapproche. Je me force à ne pas bouger et à respirer le plus doucement possible. Elle s'éloigne sans avoir soulevé le matelas. Trouvez, dit-elle quelques secondes plus tard. Trouvez, répond Anouk en écho. Je souris, j'ai gagné. Je glisse la tête discrètement au bord du matelas pour voir où elles sont. Au centre du grenier, mes sœurs me tournent le dos. Soudain, Anouk trébuche. Je vois son pied droit s'enfoncer dans le plancher, sa cheville se tordre, son petit corps basculer en avant et par réflexe, je jaillis de ma cachette et crie « Stop !» Et là, il se passe le truc le plus bizarroïde de tout l'univers. Au lieu de terminer sa chute, le nez contre le plancher et la cheville complètement tordue, Anouk reste suspendue dans l'air. Le visage à 50 cm du plancher, les mains tendues devant elle, absolument immobile. Je cours vers mes sœurs. « Ça va ?» je demande. Pas de réponse. J'agite une main devant les yeux d'Anouk. Elle ne bouge pas. Pauline aussi est figée. J'essaie de la faire réagir. « Oh, allez, c'est pas drôle, Pauline, arrête !» Le silence dans le grenier est presque étouffant tant il est dense et profond. Même le bourdonnement lointain des voitures s'est tu. Une peur sournoise s'empare de moi. Je pousse Pauline d'abord juste un peu, puis de tout mon poids, elle ne bouge pas d'un millimètre. Sa peau est dure comme la pierre d'une statue, mais c'est vraiment effrayant. Quant à Anouk, il est impossible qu'elle tienne en équilibre dans une position pareille. Elle n'a qu'un bout de pied au sol et le corps basculé en avant. Je me glisse derrière elle, entoure son ventre de mes bras et tente de la remettre debout. Elle aussi est rigide, même les bouclettes de ses cheveux piquent comme le dos d'un hérisson. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à me demander si je suis devenue fou. Quand soudain, c'est comme si le monde se remettait en marche. Anouk s'écroule dans mes bras, je l'attire contre moi avant qu'elle touche le sol, et pour qu'elle ne pleure pas, je souffle dans ses cheveux, redevenus souples et doux.
Tout va bien, Anouchka. Pauline fait volte-face. Waouh ! S'exclame-t-elle en apercevant. Comment tu es arrivée là ? T'as pris des cours de ninja ou quoi ? Elle n'a pas conscience d'avoir manqué la dernière minute. Soulagée de retrouver la Pauline que je connais, je bredouille la première explication qui me traverse l'esprit. Non, j'étais cachée juste là et j'ai vu Anouk tomber. Pauline me dévisage, perplexe. Je sais ce qu'elle pense. L'héroïsme, c'est plutôt son truc, le mien. D'habitude, j'ai toujours besoin de réfléchir 10 000 ans avant d'agir. Alors elle se demande ce qui me prend de me comporter d'un coup en super-héros. J'ignore pourquoi je ne lui raconte pas le moment étrange que je viens de vivre. Qu'est-ce que c'était d'ailleurs ? J'ai arrêté le temps. Je ne peux pas lui dire ça. Elle ne me croirait pas. Alors, moi je vais vous présenter Gilles, qui est là. Gilles Habillé. Alors, on a quelques points communs avec Gilles, en dehors du fait qu'on écrit et qu'on a tous les deux fait une résidence en Dordogne, que je suis en train de faire. On a tous les deux, à un moment donné de notre vie, fait des études de théâtre et on n'est jamais devenu comédien. Ça, c'est un de nos points communs. C'est vrai, je confirme. Quand on fait des dédicaces, on a des tampons, je ne sais pas si tu les as encore. Voilà, j'ai ce souvenir d'être à côté de lui en dédicace. C'est peut-être parce que. Bon, ben, moi, c'est parce que je dessine super mal. Toi, moi, c'est parce que mal. Thomas fait de très belles dédicaces. C'est ça. Et du coup, tu t'es dit, levez le point. Il faut que je fasse un point. À un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse un petit effort. Donc, on a ce point commun-là, d'avoir des tampons en dédicace. On a aussi. Et ça, je m'en suis aperçue cette semaine en regardant un peu sur Internet ce que les gens disaient de toi. On a aussi des photos de nous sur Google qu'on aimerait bien pouvoir effacer. Enfin, c'est un autre de nos points communs. Mais il y a surtout un point commun qu'on a, c'est qu'on sourit beaucoup. L'un comme l'autre, je trouve. Et puis, mais par contre, il est vachement plus bavard que moi. Et puis dans l'écriture, c'est l'écriture de Gilles, c'est vraiment la phrase courte qui te fait un effet hypercute. Et puis le sourire qui vient au détour d'une phrase quand tu t'y attends pas. Moi, c'est vraiment ça, l'écriture. Alors j'avais envie de vous lire deux petits bouts. Deux petits bouts, deux petits textes. C'est un texte très court, ces deux-là. Il y en a un qui s'appelle « Un nuage dans le ventre » et comme j'ai mis des post-it sur la couverture, je ne vais pas pouvoir vous la montrer. Évidemment, je vais enlever les post-it, ça va être mieux. Désolée, hein, ouais, c'est plus du livre de la médiathèque. Donc voilà, celui-là. « Un nuage dans le ventre ». Je ne vais pas vous dire de quoi ça parle, je vais vous lire directement. La pieuvre contorsionniste. Depuis qu'il est tout petit, Elliot se raconte des histoires. Un rien suffit. Une image, une parole, un objet sont la porte ouverte à des aventures extraordinaires. Souvent drôles, parfois risquées, elles se terminent toujours avec succès. Seulement voilà. Chaque fois qu'Eliott voyage dans sa tête, il garde la bouche ouverte. C'est plus fort que lui. S'il essaye de rêver éveillé la bouche fermée, ses songes se dérobent. Quand il contrôle son corps, aucune pensée exceptionnelle ne lui traverse l'esprit. Alors, Eliott est vigilant, parce qu'il sait que sa mère n'aime pas le surprendre l'air béat. C'est vraiment trop laid. Il s'interdit toute divagation imaginaire en sa compagnie. Mais ce n'est pas évident. Surtout quand ils regardent ensemble la télé, comme ce soir. Un reportage aquatique. Eliott préfère les dessins animés ou les films. Les documentaires, ça l'ennuie assez vite. Celui-ci est différent, pourtant. Il s'intéresse à la pieuvre. Un animal plutôt moche, si on considère ses 8 tentacules pleins de ventouses et son corps mou qui change de couleur à volonté. Moche, mais doué. La pieuvre a le cerveau le plus développé de tous les invertébrés, d'après le scientifique à l'écran qui, pour le prouver, réalise une expérience devant la caméra. Au fond d'un grand aquarium, il plonge un aquarium plus petit,
dont une des vitres contient un trou de la taille d'une clémentine, dans lequel il a enfermé une pieuvre. Contre toute attente, la pieuvre réussit en 12 minutes à se tordre dans tous les sens pour s'échapper à travers le trou. Mieux encore, quand le scientifique refait aussitôt l'expérience, la pieuvre met à peine plus d'une minute pour traverser la vitre, mettant à profit sa technique précédemment acquise. Elliot est subjugué. Non pas par la mémoire de l'animal, mais par sa capacité à transformer son corps. Il imagine ce qu'il ferait s'il possédait le même talent. Il s'enfermerait dans la salle de bain, s'enfoncerait la tête dans le trou du lavabo, étirerait ses épaules, réduirait son bassin et introduirait tout son corps dans la tuyauterie. Grâce à son sens de l'orientation, il bifurquerait en direction de la canalisation de la cuisine, d'où il jaillirait de l'évier, la tête la première, au moment où sa mère laverait une laitue. Elliot, embarqué dans son propre périple aquatique, ne se rend pas compte que sa mère ne fixe plus le poste de télévision, mais qu'elle le dévisage, la mine contrariée. « À quoi tu penses ?» Elliot, pris sur le vif de sa rêverie, se pétrifie. Non, il ne peut pas décrire à sa mère la tête qu'elle a faite quand elle l'a vue surgir de la bombe de l'évier. Les yeux révulsés, la mâchoire déformée, elle ressemblait à une grosse carpe affamée. Et puis ferme la bouche, parce qu'en plus, si tu souris, c'est vraiment pas joli. Elliot est vexé. Et quand Elliot est vexé, il fait l'amour. Il ferme la bouche. À la satisfaction de sa mère. Je vais ouvrir un tout petit bout d'un autre texte, parce que celui-là, je pense que c'est... Voilà, je te disais tout à l'heure que c'était deux de mes textes préférés dans ceux que j'ai lus de toi. Celui-là s'adresse au plus grand. Il s'appelle « La piscine était vide ». Et je vais en lire vraiment un tout petit bout, juste pour vous montrer ce que je disais tout à l'heure sur les phrases du Percut. Alex était une pépite cachée sous des fringues mal coordonnées. Le genre de mec qu'on ne remarque pas, mais qui, une fois démasqué, ne vous lâche plus, bien chevillé au cœur. Je le trouvais sexy, avec ses trois poils sur les joues et ses yeux noisettes en amande. Son grand-père était vietnamien, qu'il dissimulait sous des lunettes démodées. Il avait le corps souple et dur. Il adorait le badminton. Et de longs doigts fins, 50 pianos derrière lui pour faire plaisir à maman. Et un sourire bête auquel je craquais chaque fois quand il la jouait petit garçon qui me dépassait de deux têtes. J'étais en seconde, il était en terminale. C'était en décembre, il est mort en juin. On a tenu 7 mois. Merci Manon. Je me dis qu'il faut que je regarde ma présentation de Thomas. Non, en fait, c'est pas vrai, j'ai préparé une petite fiche. Alors Thomas, Manon, qui ne contredira pas, a fait un sondage dernièrement auprès de ses connaissances pour savoir quelle personnalité publique rêverait de rencontrer les enfants. Et Thomas l'a arrivé en premier. Bien sûr. Thomas arrivé en premier. Bon, derrière, il y avait Thomas Pesquet, donc j'ai choisi Thomas Pesquet pour le moment. Je suis en train d'écrire. Mais Thomas était en premier. C'est un Thomas. Alors, j'avais demandé à Thomas de pas m'interrompre, à Manon de pas m'interrompre, parce que ma deuxième phrase, c'était ça. Et en plus, vous pouvez le constater, Thomas n'est pas en très bonne condition physique, parce qu'il revient de 6 mois dans l'espace. Et là, je devais réaliser que je m'étais trompé de fiche. J'ai dit que c'était Thomas Pesquet. Merci, Manon. C'est ça, de ne pas le dire à la fin, on va dire. Mais on peut dire qu'il y a peut-être un point commun entre les deux Thomas, pas la condition physique, je ne sais pas. Mais sur le fait d'embarquer les jeunes lecteurs et les jeunes lectrices. Voilà. Thomas, je trouve qu'il a cette faculté de se mettre à hauteur d'enfant sur des grandes questions
et d'embarquer en fait voilà, son lecteur ou sa lectrice assez loin sans qu'on s'en rende compte forcément. Et donc c'est ça que j'aime bien en fait, c'est cette espèce de grand voyage qu'on peut faire dans ces textes sur les grandes questions qu'on peut se poser. Et alors en fait, moi, j'ai choisi un texte en particulier pour deux raisons. La première qui était finalement assez dure pour moi, c'est qu'avec effectivement Thomas et Cathy, on fait beaucoup de lectures ensemble. Et en cherchant un texte à lire parmi les textes que j'aime de Thomas, à chaque fois que j'ai commencé à m'entraîner, j'entendais sa voix. Et finalement, c'était très très dur d'arriver à le lire parce que, ben voilà, il a une façon de les lire comme il les a écrits. Et donc j'ai choisi celui-ci parce qu'en fait, il ne l'a jamais lu quand on était tous les trois. Et puis, le titre, c'est « Même mon prénom est une chanson » et il se trouve que l'héroïne s'appelle Lily et que c'est le prénom de ma nièce. Que j'aime beaucoup. Dans la cour de l'école, Flavie revient à la charge. Franchement, Lily, je te comprends pas. Tu vois, il ferait dans la politique ou dans les pompes funèbres des morts, à la rigueur. Tiens, il serait kidnappeur de Pépé Panda, je dis pas. Mais là, triple soupir périlleux. Pour la centième fois plus une, je lance justement à Flavie le regard du panda déprimé, l'œil plus noir que la tache qui l'entoure. Stop, Flavie, j'ai déjà tout dit sur mes parents. Peut-être, mais je te jure, je te comprends pas. Ils font un métier très chouette quand même. Flavie a sûrement raison, c'est une meilleure amie qui m'aime. Et bien sûr qu'il y a des métiers plus honteux dans la vie, mais voilà, c'est un sujet que je ne veux pas aborder. C'est tout. Alors, quand on me demande pour le boulot de mes parents, je dis seulement qu'ils sont dans la musique. C'est ce que j'ai toujours écrit dans la marche des renseignements, celle du premier jour d'école. Certains ont bien essayé de creuser une tranchée entre les lignes, pour en savoir un peu plus. Les enseignants, le directeur. Mais je suis toujours restée droite. Profession des parents, dans la musique. Ça veut tout et rien dire. Et surtout, ça me va très bien dans la musique. Finalement, ça suffit. En vérité, et ils sont chanteurs, mes parents. Enfin, ma mère chante et mon père l'accompagne. Alors oui, je vois déjà les feux d'artifice sur les visages. Ils sont chanteurs. Wow. L'hélicoptère, les photographes, les concerts de 6000 personnes, les autographes sur la main droite, celle qu'on ne veut plus laver de toute sa vie entière, même si ça ne sert à rien. Chanteur, ça fait forcément des frissons sur les paupières. Ben, pas du tout. Tout le contraire, même. Ma mère, si je dis son nom de scène, personne ne le connaît ici. On ne peut même pas la télécharger sur Internet. Rien à voir avec nos super chanteuses du moment ou Lady Gaga. Ma mère, elle a 33 ans, pourtant elle chante des chansons qui n'existent plus depuis que c'est plus la guerre. Et mon père, il est toujours à côté d'elle. Mais au lieu de choisir un truc fun, comme la batterie, la basse ou la guitare électrique, il a préféré l'accordéon. Certains soirs, ils sont juste 10 à venir les écouter. Le bide total. En revanche, les dimanches, c'est parfois un bus entier. Un bus entier de personnes âgées, bien sourdes, qui s'endorment dès le premier refrain en se ratant au fond de la gorge. Ah, il y a aussi les goûters pour dames de luxe qui applaudissent juste du bout des doigts, des fois qu'un de leurs faux ongles exploserait. Mais ce que je déteste par-dessus tout, c'est quand ils font les mariages. Et je dis pas que je préférais que maman soit si connue que ça, qu'elle se jette à plat ventre dans la foule hystérique d'une salle gigantesque. Mais faut vraiment qu'ils arrêtent les mariages. Et qu'ils fassent un autre métier que chanteur nul aussi. Là, on est samedi. Et ce matin, je n'ai pas eu le temps de grogner. Lily, attrape ta rallonge, je m'occupe des amplis. Ah, mon père angoisse toujours avant un concert. 100 fois, il peut vérifier le matériel avant de partir. Un peu comme ceux qui ont des tocs et qui se lavent 30 fois les mains après avoir fait pipi. Tout a un ordre dans sa tête. Une caisse pour le micro, une autre pour les câbles et les projos, une dixième pour les partitions. Ouais, une chose est sûre, jamais j'aurai autant de boîtes le jour où je bricolerai. Je tente un plan de sauvetage. Au fait, je reste à la maison ce soir. Ma mère ne lâche pas son sourire, ni l'étui de l'accordéon. Impossible. Je ne sais même pas à quelle heure on va rentrer.
Et c'est bon, je peux me garder toute seule. Je me coucherai tôt, et voilà. Et j'ai 10 ans, ça va. Ah oui, 10 ans, c'est un bon argument. Pas bête, mais non. En fait, j'ai mal au ventre. On a toujours bien essayé, Lily, mais non. C'est pourtant pas compliqué de faire plaisir à sa fille adorée. Emmène Flavie avec toi, si tu veux. Il y aura d'autres enfants. Vous ferez connaissance. D'autres enfants? Super. Pourtant, Flavie explose au téléphone quand je lui propose de venir. Ah mais carrément, je viens. C'est top. Bien sûr que ça lui plaît, l'idée de ma mère. Flavie aimerait tellement avoir des parents comme les miens, parce que chez elle, même le karaoké, c'est interdit. Écoute, Lily, ça va être bien. On va danser toute la nuit. Et il y aura peut-être même des garçons potables. Moi, le mot potable, ça me fait aussitôt penser à l'eau des fontaines. Et franchement, des garçons comestibles dans un mariage de vieux, j'y crois moyen. Avec Flavie, on s'installe à l'arrière de la camionnette. Une nouvelle fois, je voudrais être invisible, mais c'est raté. Parce que tout est écrit sur les portes coulissantes. Notre nom de famille, notre adresse et le numéro de téléphone avec un beau dessin d'accordéon. C'est simple, notre voiture, c'est une publicité sur roue. Et Flavie qui en rajoute 6 couches en se pinçant le nez façon mégaphone. Salut les gens, salut les gens. Ce soir, dans votre ville, la Lily's Family. Arrête, s'il te plaît. Représentation exceptionnelle. Dernier billet à $150 pour être au premier rang. Enfin, si vous avez les moyens, évidemment. Arrête ou tu vas bouffer du panda. Flavie, j'ai que ça pour la faire taire. Ah non mais en vrai c'était super émouvant parce qu'on s'attend pas effectivement à, voilà, merci, parce qu'effectivement même ce texte là moi je l'ai pas lu du tout dans les classes, donc, voilà. Alors Cathy, là vous n'allez pas le faire ici, mais faites-le chez vous quand vous rentrerez. Dites Cathy. Cathy, elle a choisi un texte de maman qui parle d'horloge, et mine de rien Cathy, il y a ce son de l'horloge comtoise que Cathy met parfois dans ses histoires, parce que Cathy a vécu beaucoup de temps dans le Jura, et puis maintenant, après longtemps, elle est au bord de la mer, complètement à l'opposé, à Saint-Malo. Et c'est ce que j'aime dans son écriture. Alors c'est vrai qu'on forme un sacré trio, tous les trois, puisqu'on est trois. Cathy, on a écrit des textes ensemble, ça c'est un vrai ravissement, en fait, déjà d'écrire à deux, alors d'écrire à trois, c'est encore une autre aventure. Et dans tous les textes de Cathy, que ce soit pour les petits, les moyens, les grands, vous pouvez y aller, même dans les recettes de cuisine, c'est que Cathy, elle a quelque chose de l'ordre de la grande curiosité sur les autres, en fait. La curiosité, et la curiosité qui va loin, elle a un regard qui porte très très loin, Cathy. Et parfois, le regard qui porte loin, je trouve qu'il va suffisamment loin pour aller au cœur des gens, à l'intérieur. Et c'est pour ça que quand elle écrit pour les ados, elle est pile dans ce que les ados ressentent. Et quand elle écrit des textes pour les plus jeunes, il y a à la fois du sourire et puis à la fois des grandes choses. Et comme Cathy, elle est dans la mer, dans l'océan, enfin dans les grandes vagues, c'est vers là qu'elle a dû choisir les textes. Alors comme je ne voulais pas qu'elle sache, je les ai planqués juste à côté, donc je vais les chercher. Pardon, c'est moi. Ah oui, mais parce que Gaëtel, elle a fait un grand livre, alors c'est nul de tout le cacher dans sa poche, c'est très compliqué. Et je vais tricher un peu, c'est que je vais faire comme Manon, et peut-être que je peux commencer par un autre, vous allez voir. Parce qu'en fait, on creuse chacun un sillon d'écriture, et Cathy, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'eau, voilà, comme ça. Je voudrais vous lire un tout petit bout de ce texte que j'aime énormément, qui s'appelle « Il se peut qu'on s'évade », qui était un texte, en fait, écrit à partir d'une douzaine de photos d'un photographe. Cathy a dû inventer une histoire à partir de ces photos-là. Je prends les photos dans mes mains. C'est une fenêtre qui s'ouvre, un jour de printemps. Les voix ne résonnent plus autant. Elles semblent même perdre de leur agressivité. Tout se calme, peu à peu. Les tensions se dénouent. Je n'entends plus personne parler. Je ne vois plus rien bouger.
Le bureau perd ses contours, le vide se fait autour de moi et avec le vide, le silence revient. Alors je peux me laisser glisser, comme au cœur d'un cadre privé de son tableau. J'ai eu un ami dans ma vie, un ancien gardien de phare. Il ne disait presque rien, nous passions des heures ensemble sans échanger la moindre parole, assis autour d'une table sur laquelle il y avait toujours un livre ouvert sur des reproductions des tableaux de Vermeer. C'était un livre ancien, très abîmé. Il avait souffert de l'humidité pour avoir séjourné des années durant dans un phare. Le tableau préféré du gardien, c'était la jeune fille au turban. Moi, je n'avais pas de préféré, je les connaissais tous. Nous n'en parlions pas, nous passions des après-midi entiers à regarder ces tableaux, tous les deux, en silence. Alors parfois, on relevait la tête ensemble pour jeter un coup d'œil par la fenêtre qui donnait sur le port. Au loin, posé sur la mer, se devinait la silhouette du phare, un phare en enfer. Disait-on autrefois pour désigner ceux qui se trouvaient loin des côtes, en pleine mer. Le phare avait été automatisé et son gardien mis en retraite d'office. Nous n'en parlions jamais non plus. Je partais sans lui dire au revoir. Un jour, le gardien de phare a disparu et personne n'a su ce qu'il était devenu. Il avait laissé sur la table un petit mot, recopié d'un livre de sa bibliothèque. Ça disait, sans m'en rendre compte, je suis entré dans l'hébétude de ces vieux marins. Naguère encore, quand je descendais, quand je retrouvais l'île après 20 jours, je les admirais. Tous alignés sur le quai nord, immobiles, l'œil fixé sur un point de l'horizon. Je les imaginais pleins de sagesse et de souvenirs. Je sais maintenant qu'ils sont sans pensée. La mer est entrée par leurs yeux. Leur a vidé lentement l'intérieur de la tête. Il avait été gardien de phare en enfer, et moi, j'étais gardien de nuit dans un musée chaviré. Nous étions tous les deux des marins privés de leur navire. À chacun son silence, à chacun sa solitude et sa manière d'appréhender la vie, le vide. Je comprends maintenant ce qu'il voulait me dire avec ce texte. Un jour, le bruit s'éloigne et le silence revient. J'ai dans mes mains les dernières photos abandonnées sur le bureau du conservateur. Je glisse en elles, imperceptiblement. Elles m'apportent mon unique chance d'évasion. Et voici l'appel du large, illustré par Laurent Corvézier, sur un texte de... On se frotte. On s'enlace, on fait feu de tout bois, on prend racine, on s'enracine, on est déraciné. On se vole dans les plumes, on s'emporte, on résiste, on se roule en boule, on se pose, on se rassemble, on se ressemble, on part seul dans son coin. On s'étire, on va plus loin, on vise le ciel, on prévoit les étoiles. On s'élève, on donne à la mer son parfum. On a les yeux salés, on s'admire dans les flaques. On attend le printemps. On crie, on craque, on bouge, on s'agite, on prend sous son aile, on met à l'abri, on gémit, on a mal, on vole, on virevolte, on se ride, on perd des plumes, on se déplume, on est dur de la feuille, on creuse, on boit, on a les yeux du ventre, on gratte, on rigole, on valse avec la brise, on se noie, on surnage,
on se casse, on respire, on va, on vient, on s'en va, et on revient. On est ici, on est là, quand la mer nous appelle, on est juste tout ça. L'arbre, le goéland, et moi.